Eh bien le bonjour, le bonsoir, la bonne après-midi, la bonne nuit, qu'importe que sais-je, et bienvenue dans l'enclos carnivore. Non, disais-je, bienvenue à Jurassic World, notre petit jeu de gestion hein, qu'on aime bien en ce moment, qui est toujours agréable. Et la vache, ça attire du monde les carnivores hein. En cas de pépin, qui accuse-t-on d'abord? Voilà. Alors voyez ce contrat comme un moyen de nous épargner des ennuis. Ouais, d'accord. Empêcher toute coupure de courant de se produire pendant 10 minutes d'effilée. Eh, je le sens pas. Oh! On a largement plus de 3 étoiles, là. Note de Lille. Bon, ok, très bien. Parfait. Encore une fois, on a une modification je ne sais où. Pas bien grave. Bonne note de Lille. 3, bah c'est bien ça. Et c'est la Muerta déverrouillée. Je sais pas si j'ai envie d'y aller. Je sais pas si j'ai envie. Non, on va y aller. Hein. On va y aller. Ah non, c'est des sites 4 et... Ah non, c'est ça. Aller sur l'île, on peut aller là. C'est la deuxième Isla Muerta, il nous faudra 4 étoiles. Et puis, Isla Serna, 3 étoiles. Isla Pena, 3 étoiles. On a Isla Matanceros. Ok. Secret du docteur, où? D'accord. Isla Pena, oh là là. Isla Takano. Et donc Isla Takeno nous demande Isla Muerta à 3 étoiles. Oh lolo. T'as mis toutes les missions sur Isla Muerta Est. On peut aller là. On peut aller là. Et bah écoutez, moi je vous propose qu'on y aille. Bah après tout, allons-y, allez. On est des fous, on est des malades. Allons-y pour Isla Muerta. Oh là. Courage, courage. Qu'est-ce qu'on n'est pas parti faire? Isla Muerta, on est sûr de nous là? L'île de la mort, pas, littéralement. On n'a pas peur quand même. On a peur de rien nous. On est des fous. Comme si les créatures préhistoriques ne suffisaient pas. Sur l'île suivante, Isla Muerta, la météo risque souvent de faire des siennes. Tempête, ouragan, ce genre de choses, quoi, de temps en temps. Comme vous pouvez le voir, la météo sur cette île peut être un peu... capricieuse. La première chose à faire, c'est de réparer les dégâts causés par la tempête. Demandez à une équipe de garde de remettre le parc en état. Oh, et n'oubliez pas de fermer les abris d'urgence dès que le calme sera revenu. Les visiteurs n'ont pas payé leur billet pour passer leur séjour dans un sous-sol. La tempête a dû être rude. En général, les intempéries ont tendance à rendre les dinosaures plus agressifs. Enfin, si l'on veut bien croire que tout est lié. L'effet papillon, vous connaissez? Moi, j'y crois. Un tout petit changement peut créer une réaction en chaîne qui, à terme, poussera les dinosaures à semer le chaos. Et les filets à papillons, ça n'arrête pas les dinosaures. Ça a dû coûter bonbon. Il vaudrait mieux réparer tout ça rapidement. L'équipe de garde peut vous y aider. Moins de 15 000, d'accord. Et on peut pas. Alors du coup, est-ce que dans ce cas, on ferait... On va réparer ça doucement.
Chers visiteurs, nous vous prions de nous excuser pour la gêne. Alors là, j'ai du mal à comprendre. T'es pas censé m'aider. Ça, c'est pas toi qui fais. Alors. Ah, j'ai pas remis les mêmes. Oh, c'est pas bien grave. On va détruire ça. Voilà. On va quand même rejoindre la zone, c'est le principal. Bon, bah nous voilà avec de nouvelles zones bien propres. Soit. Une bonne centrale électrique qui est là, on a station de vigilance météo qui est là, ok d'accord. Soit. Bien, alors dans ce cas, j'aimerais bien aller voir du côté des contrats, merci. Ça marche, Isla Muerta, mission. Côté de ouais, ok, ça marche. Bon, alors on va peut-être commencer à mettre un dino ou deux, du coup, vu qu'il n'y a, a pas l'air d'en avoir. On va pouvoir prendre ici. Qu'avons-nous? On est un petit peu de tout, soit. Eh bien, on va commencer par un petit triceratops. De ce côté, et ici on va mettre un carnivore. Oh, ça fait cher quand même. Bon, ciel. Canne à 39, ça marche. Abri d'urgence, on va pouvoir ouvrir l'abri. Chers visiteurs, nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée par les anomalies récentes. D'accord. Ok, donc on pourra aller jusqu'ici avec notre parc. Ça marche. Pas de problème. Pas de problème. Alors, on va pouvoir revenir. Ce nouveau contrat pourrait s'avérer très avantageux pour la division sécurité.
d'au moins 0,5 étapes pendant 3 minutes. On va accepter. Là, on a deux contrats en cours. Ouais, ça marche. Très bien. Là, on n'a pas de mission. Isla Muerta. Ok, ok. Bien souhaite. Maintenant, on se retrouve à gérer deux îles en même temps, ce qui va complexifier un peu les choses. Ce qui va complexifier un peu les choses. D'au moins 0,5, ouais c'est bon. Pendant 3 minutes. On devrait pouvoir mettre un hôtel assez rapidement. Ici c'est plus exploitable pour un parc de toute façon. Mais en même temps ici ce serait pas mal avec la plage pas loin. On aurait presque envie d'aller venir jusqu'ici pour refaire l'hôtel. Parce que comme ça on aurait l'hôtel à la plage. C'est pas idiot. On est plutôt pas mal. Et ici ? Voilà. On est pas mal. On n'est pas trop mal. Un carnivore à ce que je vois. Un Ceratosaurus cette fois. Son échine présente de petites pointes osseuses et il arbore une corne sur la mâchoire supérieure. Le genre d'animal qu'il vaut mieux ne pas croiser lors d'une promenade. Oui, mais c'était un peu évident en fait de dire ça, mais bon, c'est très bien. Merci Captain Obvious, hein. Je t'aimais bien avant aussi, moi, mais voilà. J'ai mes préférences, hein, dirons-nous.
Je pense, de toute façon, qu'on l'île, on va faire une troisième part. Vous avez un don pour résoudre les problèmes. C'est un sacré atout par ici. Ici, on ferait bien un troisième parc. Tu vois, avec un troisième type de dino. Enfin, voilà. On pourrait venir sur un quatrième ici, potentiellement. Là, ce serait plus agrandir ce qu'on a déjà et les modifier, tu vois. Tandis que là, pour le coup, c'est plus l'aspect technique hein, de la gestion de l'île, hein, je pense. Parce que là, il n'y a pas grand-chose de vraiment utile pour nous. Tu vois, un centre d'expédition ou quoi, ce serait pas mal. Là, par exemple, un centre d'expédition, c'est pas idiot. On est un peu proche des falaises, je suis d'accord avec vous, mais bon... Après tout... Opération... Centre d'expédition... Ah, c'est pas idiot... Hein. Et ben... Ben voilà! Je sais que vous avez déjà du pain sur la planche, mais que diriez-vous d'un nouveau contrat? J'ai des dinos à 60% ici, 50% de l'autre, quoi. Ouais. Oui, d'accord, c'était logique en fait. On va prendre un petit poste électrique et le mettre juste ici. Histoire que ce soit joli, on va le tourner comme ça. Là. Voilà. T'as pas assez d'électricité ici. Je détruis ce poste électrique. Voilà. Que je viens faire un nouveau poste électrique. Entièrement là. Voilà. Non, je règle pas le problème. Très bien, alors dans ce cas, on va venir... Elles sont où les centrales déjà? Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas construit de centrale, moi. Ils sont chiants. Ça fait trop longtemps que j'ai pas construit de centrale, moi. Oh lolo. Centre de sécurité, centre de la découverte, centre des sciences, centre d'expédition, station météorologique, centre de lycée, centre de poste de garde. Oh lolo, et... Vous allez être en train de rager. C'est là, électricité, c'était évident. Centre électrique, c'est 500 000. Bah tant pis, hein. On va attendre un petit peu.
Ceci dit, on va revenir sur le contrôle ici. On a des nouveautés, encore une fois, je sais pas où elles sont. Vous me direz dans les commentaires hein, si vous avez des idées. On va revenir à Isla Matanzeros. Pour terminer l'épisode, on va voir si on peut aller chercher un nouveau petit génome à compléter à 50%. Donc on a ça à faire du côté de Isla Matanzeros avant de terminer l'épisode là-dessus. D'accord, donc on va vraiment avoir la petite cinématique à chaque fois, c'est sympa. Pourquoi pas. Là, c'est bien, on voit les petites modifications qu'on a fait au fur et à mesure, c'est sympa. Ah, j'aime bien. Ça pour le coup, je découvre totalement avec vous, hein. Moi j'avais vraiment très peu joué au jeu avant. Hein. Ok, d'accord. Sympa. Aucune coupure de courant pendant encore 7 minutes à tenir. Ah, est-ce qu'il faut rester dessus pendant... Oh là là. Oh, ça risque d'être long du coup à faire ça. C'est pas grave. On va donc aller au centre des expéditions. Regardez les cartes des expéditions. Ankylosaur, Corythosaur, on en a pas. On va aller chercher ça. Ah, pas mal. Ah, c'est cool. Du coup, je me pose la question de est-ce que si je retourne sur Isla Muerta, je vais à nouveau avoir ça. C'est intéressant, mais après, je pense qu'à la longue, pas mal de leur tirer, quoi. Je pense, hein, je sais pas, c'est une réflexion que je me fais. Peut-être qu'en vidéo, ce sera pas forcément très intéressant. D'ailleurs, je pense que de toute façon, quand tu joues, t'as tendance à vouloir passer ça. Ouais, d'accord. Et si je suis juste un... Ah oui, il faut faire centrer sur le pavé numérique pour ignorer. D'accord. Pas de soucis. Expédition Lucée. Et carte des expéditions. On va partir juste ici. Corythosaurus, Ankylosaur, Triceratops. Oh bah, on va aller là. Il faut des équipes. Eh ben. Ah oui, ça compte déjà pour tout le monde. Ah, d'accord. Bah, soit. Eh ben soit. Ok, bah très bien. Bah très bien. Bon bah écoutez, du coup là-dessus on va arrêter là-dessus. De toute façon on aura le résultat plus tard de tout ça. Et sur ce, je vous dis prenez soin de vous et pensez à envoyer un petit message aux gens que vous aimez. C'est toujours important en ce moment. Allez, sur ce. Ciao.